Si tes jambes sont flasques ou tu as de la cellulite sur la partie intérieure de tes cuisses, réalise cette séance avec moi. Yeah, here we go again, go again. Si tu es abonné à ma chaîne, n'oublie pas d'activer la clochette afin de ne pas manquer une de mes vidéos. Tu as de la cellulite sur tes cuisses? Cette séance est parfaite pour toi. Si de plus tu complètes cette séance avec les exercices de mon calendrier mensuel, tu verras des résultats incroyables en moins d'un mois. Il a déjà changé la vie de nombreuses femmes. Maintenant, c'est ton tour. Il y a 3 calendriers, alors choisis le tien en te rendant sur femmefit.com/calendrier. Je t'attends. Tu verras rapidement un grand changement. On y va! Cette séance se compose de 4 exercices. Chacun dure 30 secondes et le tout en 3 séries. On commence. Premier exercice, les mains à la hauteur des épaules. Descends en pliant les jambes 2 fois. On y va. Allez, descends. 1, 2, en haut. Les bras toujours à la hauteur des épaules. Essaye de former un angle de 180 degrés avec tes jambes. Et 1, très bien. Deuxième exercice. Descends et plie les jambes le plus possible et remonte en pliant le corps. On y va. Descends en ligne droite et plie le corps. Descends le plus possible, les mains sur la taille. Très bien. Troisième exercice. Les jambes écartées, descends lentement. On y va. Suis mon rythme, les mains sur la taille. Descends le plus droite possible. You're so different. Kind of ignorant. You don't care what people say, people say, people say. There will come a time for when we can wash away our sins, settle down, but until 3, 2 et 1. Très bien. Quatrième exercice. Un squat et saute. On y va. Allez, descends le plus possible et saute. Suis mon rythme. Tiens bon, c'est presque fini. Trois, deux et un. Très bien. Deuxième série, oui? On continue? Allez, en position. Premier exercice, les mains à la hauteur des épaules, descends en pliant les jambes 2 fois. On y va. Allez, descends. 1, 2, en haut. Les bras toujours à la hauteur des épaules. Essaye de former un angle de 180 degrés avec tes jambes. Très bien. Deuxième exercice. Descends et plie les jambes le plus possible et remonte en pliant le corps. On y va. Descends en ligne droite et plie le corps. Descends le plus possible, les mains sur la taille. Looking in, I wrote your name up on my wall.
circled in an arrow heart. Somehow you made me feel whole. 3, 2 et 1. Très bien. Troisième exercice. Les jambes écartées, descend lentement. On y va. Suis mon rythme, les mains sur la taille. Descends le plus droite possible. You're so different, kind of ignorant. You don't care what people say, people say, people say. There will come a time for when we can wash away your sins, settle down. 3, 2 et 1. Très bien. Quatrième exercice. Un squat et saute. On y va. Allez, descends le plus possible et saute. Suis mon rythme. Tiens bon, c'est presque fini. Deux et un. Très bien. Troisième série. Tu finis avec moi? Oui? Allez, en position. Premier exercice. Les mains à la hauteur des épaules. Descends en pliant les jambes deux fois. On y va. Allez, descends. Un, deux, en haut. Les bras toujours à la hauteur des épaules. Essaye de former un angle de 180 degrés avec tes jambes. Trois, deux et un. Très bien. Deuxième exercice. Descends et plie les jambes le plus possible et remonte en pliant le corps. On y va. Descends en ligne droite et plie le corps. Descends le plus possible, les mains sur la taille. I have always been on the outside looking in. I wrote your name up on my wall. Circled in an arrow heart. Somehow you made me feel whole. 3, 2 et 1. Très bien. Troisième exercice. Les jambes écartées, descends lentement. On y va. Suis mon rythme, les mains sur la taille. Descends le plus droite possible. You're so different, kind of ignorant. You don't care what people say, people say, people say. There will come a time for when we can wash away your sins, settle down. 3, 2 et 1. Très bien. Quatrième exercice. Un squat et saute. On y va. Allez, descends le plus possible et saute. Suis mon rythme. Tiens bon, c'est presque fini. Trois, deux et un. Très bien. Félicitations. Tu as fini la séance avec moi. Si tu es constant, tu verras rapidement les résultats. À bientôt. Au fait, sais-tu que depuis peu, j'ai créé un compte sur TikTok? J'y suis active comme sur mon compte Instagram tous les jours. J'espère que mes vidéos te plairont et t'aideront. Je t'attends. Maintenant, complète la séance avec plus d'exercices. Si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime, partage-la par WhatsApp ou Facebook et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir plus de routines. What will it be of us?